Et salut à tous les gens, on est parti pour l'épisode numéro 4 de Shadow of the... Tomb Raider. Alors, petit réglage de dernière minute. Voilà. Voilà, voilà, on est en pleine découverte du coup du jeu. Première fois, premier run, première fois qu'on le fait. Voilà, depuis le dernier épisode, on a avancé un tout petit peu, on a fait l'aigle, et maintenant on y va. Et on va commencer directement au village. Hop, c'est parti pour la cité perdue. Allez. Alors, si vous avez des conseils ou quoi, on n'hésite surtout pas d'ailleurs. Vu que je ne connais pas le jeu, je peux passer à côté de multiples choses, donc ça serait dommage. Voilà, des astuces ou quoi, on n'hésite surtout pas. Allez, c'est parti. On était au feu de camp, Jonas est là. Allez. On n'a pas encore du tout exploré le village. C'est ce qu'on va faire du coup, hein. Qu'on va faire. Hop, alors. Balekuntul Jumpsil, l'étiquetalek la Kinovo, in Jump. Choco, Chen Kuntul Winik, Jan Olive Salte Kinova. Aïe, Champa. Alors. Quoi? Interaction possible? Ok, c'est cool. Directement au fil des tuyaux, c'est je prends. Bon, j'ai l'impression d'avoir discuté dans le loin avec personne qui n'existait pas, mais on prend. Pour l'instant, c'est une bonne surprise le jeu. Pourquoi ça sent le voilà, ça sent le trésor caché. Ah. Hop. Non, impossible. Alors, je peux plus rien transporter. Encore, est-ce qu'on va découvrir ici? Alors, qu'est-ce qu'on a par là déjà? Un item. Ok. Je pense que ça va être dans les maisons s'il y a vraiment quelque chose. Parce que là, il n'y a pas l'air. Ouais, bon. Un petit connard ici, enfin une maison, c'est relatif, hein, s'ils ont que des petites. Hop. Là, ça sent qu'on peut monter là. Si on peut monter, c'est qu'il doit y avoir un truc à faire ici, c'est sûr quoi. Monolithe découvert. Comment ça, monolithe découvert? Donc ça, il y a un monolithe. Ah oui, d'accord, ici. Hop là. Bien, le village nous accueille, on les braque. Comme dans tous les jeux. J'ai du mal à comprendre. Bon, ça, pas si encore, du coup, je pense que ça va être la... l'explication de comment est-ce qu'on fait pour... Hop là. Pour rentrer dans le bâtiment qu'il y avait là tout à l'heure. Hein. Je pense que ça va être ça, à coup sûr. Manchon en plastique, c'est pas trop à quoi ça sert, mais on trouvera bien une utilité. Là, il n'y a rien. Oui, c'est là. C'est même étonnant qu'il n'y a rien. Bon, bah, du coup, on sait que voilà. Je peux plus rien transporter. Et comment il va depuis tout à l'heure? Couteau renforcé. Allez, vas-y, c'est parti. On manque de matos. Putain. Donc toujours un truc de toute façon. Hein. Alors.
Première fois que j'arrive ici, du coup, bah, je sais pas si toi tu connais, Yo. On est en train de découvrir le secteur qu'on connaît absolument pas. Bah, de toute façon, on connaît pas le jeu, donc problème individu, hein. Voilà. Ok. Et quoi ça? De l'huile, de la graisse. Ok. On a de la graisse. Je sens que c'est tellement énorme. Il y a encore un monolithe, je suis sûr que je peux pas l'écrire. Ça décrit quelque chose de proche. Si. Une sentinelle monte la garde près de moi et de ses récoltes. J'ai rien entendu. Alors le monolithe, il est juste là. Okay. Qu'est-ce qu'il dit le monolithe? Une sentinelle isolée se tient debout pour me protéger. Moi et sa récolte. On va checker. Une sentinelle. Ok, c'est bon, je vois. Tout est plein. Donc, je peux plus rien prendre. Là, il y a un truc par là, donc. Une sentinelle. Tout est plein. La délicatesse de la rage, tu sais. Alors, est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Moi, je dois pas être loin, je pense. Non, c'est un peu plus derrière. Ok. La sentinelle, je dirais que c'est elle. Donc là, je devrais être en plein dedans, logiquement. Peut-être un peu plus haut, alors. Non, impossible. La sentinelle se tient devant moi. Protéger. Sentinelle se tient debout. Une sentinelle isolée pour me. Ah, c'est peut-être pas forcément celle-là. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Sentinelle se tient debout. Protéger. C'est pas une sentinelle. De toute façon, c'est vachement éloigné là, de toute manière. Donc. Ah, le problème, il est vu, c'est que c'est pas par là. On va prendre la quête annexe. Ça dérange la Waka de la cascade quand je joue dans la grotte. Elle dit que c'est trop dangereux. Même s'il y a des tas de trucs sur. La sentinelle. Et au fait, Yo, juste pour info, t'es Prime. Donc ça te permet d'avoir accès comme si t'étais en fait pris l'abonnement. Voilà, c'est histoire que tu puisses tout essayer aussi. Je sais pas si je t'avais déjà dit ou pas. J'ai pas assez de place pour ça. Là, on a du bois. Ah, ça pique. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Bon, pour le monolithe, on va peut-être voir un peu plus tard. On va essayer de continuer la clean. Bon, malgré que, voilà, je pense qu'il y a plein de trucs là qui vont me faire gagner. Des trucs qui vont me permettre de décrire le dialecte, tout est plein. Je pense. Je peux plus rien prendre. Malgré que je sois blindé de tout. Non, 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 lâche. Bon, ok, je pense que là, on n'a rien d'autre à voir. On a vu le monolithe, alors on sait qu'il y a un truc en dessous, mais on n'a pas encore trouvé. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. On sait qu'il y a quelque chose, mais on sait pas où. Ça, c'est énervant. J'ai trouvé. Je l'ai. Alors,
Alors, le problème c'est qu'une fois arrivé ici, il fallait que j'aille sauvegarder, donc je suis parti sauvegarder et je me suis fait griller. Parce que du coup, je n'ai Tout est pas vu bien. la dame, Je ne peux plus celle rien qui comprendre. te reçoit, qui descend. Alors là, je suis certain qu'il y a du pognon. Déjà, il y a une page de journal, il y a un sac à dos d'explorateur. Secret révélé. Ok, bah voilà, hein. Une cache de survie, voilà, ça m'aurait pas étonné. Et pouf là. Donc déjà ça c'est ici. Je suis certain qu'il y a du pognon à gogo ici. Alors, là-bas, on a encore du bois. C'est là où on était. Une petite histoire à me raconter. Allez, c'est parti. Attention, amis de Nouratu, les guerriers jaguars. Mieux vaut les éviter. Ils cherchent sans arrêt des activités rebelles. Et ils sont sans pitié. Ok, faire attention aux jaguars. Pas de problème. Aux guerriers jaguars. Là-bas, c'est un truc, c'est sûr, à 200%. Des gros chats, ouais. Un jour, j'ai pêché un Ouais. poisson à la maison. Sauf qu'on n'aime pas les jaguars, ils font On me mal. dit que c'est parce qu'il y a des tunnels inondés sous certaines maisons. C'est rigolo, non? Ils font mal, les jaguars. Même si je suis en train de prendre toutes les quêtes annexes, j'aimerais me rappeler. À un instant précis. Bah, vous prenez ce qui se passe en ce moment. Si Amaru et Sairi ne s'étaient pas disputés pendant la famine, et si Sairi n'avait pas insisté contre la vie d'Amaru, pour aller lui-même au-delà des frontières du village, nous chasser à tous de quoi manger. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Parce qu'Amaru s'est senti responsable de la mort de son frère. Je l'ai entendu. Salut à vous, arrivant. Le corps de Sairi de la jungle. Il était complètement désespéré. Je crois que c'est cet instant précis qui a brisé Amaru. Après ça, il a pris le contrôle total de Paititi. Il voulait tous nous protéger, parce qu'il n'avait rien pu faire pour Sairi. Ok, ah, c'est là-bas que je vais aller, je suis certain qu'il y a un truc là-bas. C'est quasiment sûr. Plein, 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 plein. Je suis blindé, j'arrive ici. Ah bah, il y avait un petit Ça feu. me ramène sur Terre, On crachera pas d'être dessus. là, On a à combien de points Paititi. d'XP? 2. On a dit qu'il Je nous en m'attendais pas du fallait tout à ça. 3. Je pensais trouver des Débloque ruines, la charge, les des grandes sacoches, les artefacts, ressources chez les des marchands. tombeaux. Voilà, allez. Ça, J'aurais au pas moins pu déjà, on tomber sera sur bien maison. là-dessus. En fait, j'étais tellement concentrée sur les indices que j'ai même pas réfléchi. Ah, on peut augmenter Je deux voulais pas améliorations dormir, mais possibles. les trinitaires sont là. On va attendre. On va attendre avant de les faire. C'est là ce que je pense. Comment intervenir dans un nouveau secteur? Comme dans tous les jeux, il y a forcément du nouveau stuff. Alors, écoute, nouvelle génération. C'est les premiers que je fais. C'est les premiers que je fais. Et quand je vois les graphismes de certains jeux aujourd'hui, franchement, il est de ce niveau-là. Alors que si on. C'est un PS4, hein, s'il me semble. Ouais, c'est un jeu qui est fait pour la PS4. Donc, ouais, non, il est bon. Il est très bon. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Certains jeux, vraiment, Oh, de l'or. Il y a certains jeux, là même là, qui sont faits, qui se foutent de notre gueule. On a une console qui est super puissante.
On a beaucoup de trucs qui nous permettent d'avoir des graphes de fou. Et on n'a rien. Et franchement, quand je vois que... Comment on appelle ça ? Quand je vois que Tomb Raider est au-dessus alors que c'est un jeu PS4. Ouais, c'est ça, ouais, PS4. Mais du coup, ouais, franchement, je trouve... Enfin, moi, je le trouve vraiment classe. Hein. Il n'a pas à rougir encore aujourd'hui. Hein. Si, alors, je ne sais pas s'il y a amélioration de la PS4 à la PS5. Franchement, je ne sais pas s'il y a eu de l'amélioration, mais par contre, ouais, il est bon. Hein. Il se laisse vraiment voir. Ok, on n'est pas sur du niveau. La petite grotte. La petite grotte cachée. Ah ouais, on n'est pas au niveau d'un, je sais pas, d'un niveau... Oh, tu veux pas rentrer? Non? Tu veux pas y aller? Alors ça, c'est plus... Ouais, franchement, selon les jeux, tu te poses vraiment des questions, quoi. Oh, tu peux remonter à la surface, s'il te plaît? Merci. Tu te demandes comment ça a été codé, quoi. Même Horizon, hein, des fois, alors... Le mode photo et tout, il est ouf, hein, mais il y a des fois, je le trouvais léger, quoi. Bon, alors là, je pense que ça va être une sortie d'un endroit, je ne sais pas d'où. Donc, à tout péter. À tout péter, il y a un truc sous l'eau. Alors, on va aller revoir là-bas. Mais à mon avis, il y a un truc sous la flotte. Et toi, du coup, je sais pas si tu l'as fait sur le 4. Je sais pas si tu l'as fait sur la 4, parce que toi, tu vois du changement. Alors, je sais pas la qualité que tu as en plus sur écran. Mais est-ce que toi, du coup, si tu l'as fait, est-ce que tu vois du changement? Je suis censé aller où, là? Horizon, même Menzaï. Ouais, non, on est d'accord. Hein. Je sais pas comment ils se sont démerdés. Non, mais c'est quoi cette blague? Je suis ici et je peux pas aller. Il y a une couille dans le pâté, là. Non, mais d'accord. Enfin, Horizon, franchement, c'était du foutage de gueule, quoi. C'est du gros foutage de gueule. Ok, putain. Je vois rien du tout, quoi. Non, non, puis bon, franchement, je suis désolé, même Horizon, bah, du coup, je l'ai clean 100%, machin et tout. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. J'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de le terminer. Je peux monter là. Je peux monter. Ou pas. Si. Oh ouais, non, j'avais vraiment hâte de le terminer pour passer à autre chose parce que, enfin, au bout d'un moment, stop, ça, c'était pas possible. On avait plus l'impression que. Ouais, tu veux aller où là, Doudou? On avait plus l'impression, franchement, que c'était fini à la piste parce qu'il fallait le sortir plutôt que d'avoir un véritable. Un véritable jeu et pas un Horizon 2.0 quoi. Voilà, je trouve ça dommage. Même Elise, elle a vu, hein, il y avait des bugs qui n'avaient pas lieu d'être. Déjà, pour un jeu qui était censé être terminé, gold, tout ce que tu veux, et qui a été sorti. Et par contre, on a craché sur du Cyberpunk qui était qui quand même est un bon jeu, je suis désolé. Donc donc là j'ai appris que je pouvais déchiffrer d'autres trucs. Ok, donc là on n'a rien, on a juste un document. Ouais non c'est triste, hein. Franchement, enfin moi il m'a beaucoup déçu. Hein. Il m'a vraiment beaucoup déçu. Est-ce qu'on n'irait pas retenter voir s'il n'y a pas une possibilité de le lire maintenant? Parce que ça m'a pas dit je crois de quel côté. Moi je suis bien chaud pour aller voir. Ah il y a un autre monolithe là aussi. Putain je l'ai pas vu lui. Yeah.
Ah, ça, tu vois aussi fort, Clara, pour plonger, hein. Alors, donc là, on a un monolithe en plein milieu, a priori. Ça, à tout péter, ça va être un truc à aller chercher. Pas ici ? Non, c'est pas ici. Ah, il est là, le monolithe. Ça va être un truc à aller chercher dans la flotte, hein. J'ai du mal à comprendre ce dialecte. Hein ? Comment ça ? Ah oui. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Alors, on va aller voir l'autre totem. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas la possibilité de le lire cette fois ? Vu qu'on en a appris un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a trop de coins cachés là. C'est pas un endroit qui est fait pour moi, ça, ici. Je vais y passer trop de temps. On va direct au monolithe, on va pas se faire chier. Je suis pas sûr qu'on puisse le lire de toute façon. On verra vite, hein, on verra vite. Après, tu vois, voilà, enfin, moi, un jeu comme ça, s'il a quelques bugs, là, comme celui-là, franchement, moi, je vais pas lui cracher dessus, parce que vu que même Horizon pourrait limite chouiner, parce que la qualité, je suis désolé, elle est là. J'ai du mal à comprendre. Sûrement une sorte de dialecte. Eh ben non, on ne peut pas la lire. Allez. Bon, bah allez, hein. On va aller voir maintenant le reste, parce que là, c'est pas la peine de rester plus longtemps. Allez, les gars, c'est bien, travaillez. Est-ce qu'il n'y a pas un autre ? Oui, il y en a un autre. Allez. Ouais, c'est limite, hein. Ça passe limite, limite. Donc, toi, je t'ai déjà causé. Ok. Donc le village, mais le village il a l'air immense, hein. Ah, j'ai fait qu'une micro partie, quoi. J'ai fait une micro partie, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu veux, le petit ? Est-ce que tu vas bien ? Non, puisque le mort a pris mes dés, mais personne veut me croire. Pourtant c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés ? Tu les as pas perdus ? Oh, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi ? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai t'aider. Vraiment ? Vous me croyez ? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. C'est pas qu'elle a... elle passe un peu pour schizo, mais bon, ça en est pas mieux, quoi. Ça en est pas mieux. Bon, et toi, du coup, sur quel jeu tu vas te mettre le prochain ? Hein ? Est-ce que ça serait passé à les guerriers jaguars ? En tout cas, ça y ressemble. Putain, il y a trop de trucs à faire. Après, je passe secteur par secteur. Dans les Tomb Raider, un truc sympa. Bah ouais, 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 non, clairement, là, je me suis fait un... Qu'on appelle ça ? Bah non, ça, c'est bon, c'est une quête. Je m'en suis déjà fait quelques-uns, je crois, deux ou trois. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ouais, bah après, voilà. Ouais, des jeux, je regrette pas de les avoir en français, parce que quand tu as autre chose à te concentrer, c'est bien de pas à travailler ton anglais ou autre, franchement. Quand tu vois des jeux comme Lost Judgment, eh ben, sincèrement, ça me dérange pas de l'avoir en japonais, quoi.
Ça me dérange pas du tout de l'avoir en japonais. Un conseil. N'allez pas dans la jungle, mon ami. Quelque chose de dangereux y rôde. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un son. De loin, je fais toujours attention de ne pas tourner le dos aux arbres trop longtemps. Ouais, la VF plus du cul, ouais, bah ouais, écoute. Voilà, mais là, j'ai. Ouais. Voilà, tu vois, il y a des jeux où ça me dérange pas d'avoir. Ouais, je dis, là, Trek to Yumi, l'avoir en japonais, pas de problème. Lost Judgment, l'avoir en japonais, pas de souci. Mais voilà, enfin, le rat, oui, en français, ça me dérange pas. Ouais, il faut être bilingue, ouais. Enfin, j'essaie d'apprendre le japonais, tu vois, donc j'essaie, il y a les consonances et tout ça. Alors, on va pas se mettre en plus à regarder. Je vous souhaite de faire bonne chance. Pour l'anglais, malgré que je devrais la connaître mieux, l'anglais quand même, par définition. Ok, donc ça. Oui, ça c'est bon, c'est la caverne, je sais, il faut que j'y aille, mais j'ai pas eu le temps d'y aller, donc pour l'instant, c'est pas encore prévu. Hop, va te ramasser toi, non? Hop là, un petit truc caché. Et toi, du coup, Elise, tu l'as fait celui-là ou pas? Ouais. Ouais, bah oui, clairement, c'est un taf, hein. C'est un taf, hein. Il n'est pas fait pour tout le monde, hein. Il n'est pas fait pour tout le monde. Bon, j'aimerais bien avoir moi aussi mon couteau. Je sais pas où ça. C'est le retour ici. Donc là, on a des loups et le fameux loup noir. Ouais, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. J'aimerais d'abord un peu clean un peu par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais clean par ici déjà. Non, tu l'as pas fait? Ah ouais, donc ouais, ok. Donc toi, ok. J'ai fait que le premier. Bah ouais, celui que j'ai pas fait, quoi. C'est le Rise, je crois. Rise, je sais pas quoi. Ouais, Lara, on a grandi avec, hein. On a connu les premiers où les seins, c'était des armes à eux seuls, quoi. Ah, elle te filait un coup de boobs, elle te tuait, quoi. Tu connais pas Imo, jeune fille? Quel idiot. Il croit que les dieux l'ont puni. C'est juste un fainéant. Donc, ok, bon. Donc là, on a passé de l'autre côté. Je suis en train de m'enfoncer. Je suis persuadé qu'il y a des marchands. J'ai fait le deuxième sous la neige. C'est le Rise de Tomb Raider, je crois, ou un truc comme ça. J'ai rarement affronté une UA aussi bête. Ah ouais, on en est à ce point-là? Bon, après, si on parle de d'IA pure, sincèrement, moi, je suis resté con de la... Comme ils étaient cons dans Elden Ring, hein. Elden Ring, tu leur passes tout autour d'eux, ils s'en foutent, hein. Non, ils s'en tapent le caillou. Je peux plus rien transporter. Donc, bon, au niveau des IA, on n'a pas... Et après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'avoir une IA qui vraiment réagisse? Ouais, c'est Rise. Voilà, parce que quand on voit certains jeux, on se pose vraiment des questions. Hein. C'est pas un alouche. C'est forcément... Je suis désolé, voilà, tu prends le... Pareil, certains FPS... Il y a un très gros problème. Je sais même plus lesquels. Hein. À mon réveil, tout est sans dessus-dessous dans la maison. Et vous avez pensé à un alouche? Oh non, pas vous aussi. Ouais, l'IA était moisie, elle est comme dans Shadows. Oh, d'accord, ok. Ouais, on est d'accord, Elisa. Hein. Et des fois, tu leur tournes juste à côté, tu te mets juste devant, ils te regardent, mais ils t'attaquent pas, quoi. Mais ça n'a pas marché. Bon, c'est un peu la déception pour un From Software, quand même. Je peux pas rentrer, putain. Les gars, mais vous les laissez rentrer nulle part, en fait. Nouveau feu de camp. Ah, ça, c'est bien. Ouais, bah qui c'est que t'as fumé comme ça? Ouais, voilà, ouais. Après, voilà, oui, certains, ouais, ils se basent vraiment sur autre chose. Hein. Je pense qu'on n'est pas assez qualifié en matière de simple humain, savoir ce que foutent comme merde les développeurs, quoi. Je peux plus rien transporter. C'est... Ok. Donc là, il y a deux endroits qui m'intriguent. Vraiment. Hop là. Un petit coffre.
Ah ouais, sérieux? L'IA pas folle dans les From Software? Ah, c'en est étonnant. Ouais, je suis d'accord. Celui dans la capitale. Devant la capitale sur son cheval. Ouais, il y en a deux devant la capitale, ouais. T'as deux mobs à cheval, ouais, qui sont bien casse-couilles, ouais, je suis d'accord. D'où vous sortez? Je suis d'accord. Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donnée. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Un marchand! Vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Je vais pas m'attendre à avoir des armes, hein, pour soit clair. Vous en Par faites contre, pas. Je pense que je vais regarder s'ils doivent sûrement avoir un arc. Yo, du coup, j'imagine que... Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, sacoche. C'est surtout leur puissance et leur environnement qui sont dangereux. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur le truc, ouais. C'est vrai qu'au niveau environnement, ça casse bien les... Amélioration du couteau, on cherche même pas à comprendre. Les dieux nous sourient à tous les deux. Pour Elden Ring, c'est celui qui... Ah oui, d'accord, ok. Et donc tu l'as OS, carrément? Sérieux? C'est abusé. Si tu l'as OS, c'est abusé. Ah, j'ai pas assez de thunes pour tout acheter. Ah, c'est la loose. C'est pour vous. Alors, je dois bien avoir de l'or à vendre. Minerai d'or. Voilà. Mais jamais ouf pour les From Software, mais pire dans Tomb Raider. Ouais, bah après, ouais, c'est possible. Après, je vais voir, parce que je sais que Tomb Raider, j'ai remarqué que tu peux... Max, que tu peux... comment appelle ça? Dieu nous sourit à tous les deux. Que tu peux changer le niveau de difficulté en fonction... Enfin, vraiment de beaucoup de trucs. Là, moi, je me suis pas fait chier. Je suis en mode normal, tranquille. C'est pour profiter aussi du jeu. Donc, voilà. À très bientôt. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que là, du coup, on a acheté de quoi augmenter toutes ses capacités. On a le couteau. Oh, putain, il y a encore un marchand ici. Non, je suis pas d'accord. Il y a trop de marchands. C'est l'effervescence ici, en ce moment. Les tanneurs, les bouchers, les tisserands, les teinturiers, même les enseignants. Donc, yo, oui, je te disais... Le marché va être... De grandes choses, ça nous sur Insta, t'es allé voir au moins? On doit tous faire. Là, je peux chercher, même pas trouvé sur Insta. On a créé un nouveau monde. Je crois que t'es même pas allé voir. Donc là, c'est elle qui m'a parlé tout à l'heure. Elle veut pas me parler. Ok, super. Toi, je veux pas trop envie que tu me parles, à vrai dire. Je fais mon marché, les mecs, hein, ça vous dérange pas? Voilà. Alors. Donc, on va d'abord aller voir lui. Dis-moi que tu vends des armes, toi. Bah, t'as pas l'air, hein. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut. Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais si je crois que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Bah, non, ton avis, c'est quoi? Ah, ça c'est intéressant. Un arc court ancien fabriqué avec du duramen et l'arc hyper force. Putain, vitesse de tir, temps de recharge, dégâts. Oh non! Ça va piquer. Ça va piquer sa mère. Manteau de suie ancestrale. Oh putain. J'ai pas assez de pognon, de pognon. Les dieux nous suivent. Même pas de quoi acheter un arc. Voilà. Là, j'ai les boules. Je peux absolument rien acheter. Ok. Alors, grand carco doublé de fourrure augmente la capacité de transport de tous les types de flèches. Ok, donc allô. Que les dieux vous sourient et vous protègent. Ok. Bon, eh ben on a besoin de beaucoup de pognon. C'est pas gagné.
Ce n'est pas gagné. Alors, hop. Ouais, dépôt, ouais. Ah oui, ça de l'or, c'est bien. Ça, c'est bien l'or. Donc, du coup, je peux ouvrir tous ces trucs-là maintenant. Ici, j'ai déjà pris. Donc, il y en a deux qu'il faut que j'aille ouvrir. Toi, je t'ai écouté. Là-bas, je suis allé chercher. Hop là, on va ramasser. Ça, c'est bon, on a construit. Ça, on a construit. Ça, c'est bon. Alors on verra ce qu'on met dessus. Pour l'instant, je sais pas encore. Ok. Donc, encore un nouveau truc. Bah sinon d'ailleurs, Elise, tu m'as pas dit à quel niveau elle en était là sur les boss sur Elden Ring. Elle a fumé qui en dernier dans le boss d'histoire? Putain, mais il y a de tout partout, sérieux les gars. Je fais l'effort de venir jusqu'à lui et il refuse de négocier. Apparemment, j'ai rien qui l'intéresse. Vous vous rendez compte? Il vit dans les ordures et les tripes, et il croit qu'il peut me parler sur ce ton. Il vient de faire une croix sur une cliente. C'est la dernière fois que je viens. Après ça, je ne ferai plus jamais affaire qu'au marché. Ok. Ok, ok. Alors, donc on a un peu des quêtes partout, en mode... Donc, on a trouvé plein de trucs, là. Donc là, c'est le marché. Ça, c'est quoi, ça? Relique. Relique. Ah, mais je l'ai pris. Je l'ai pris. Ici, on a quoi? Keep calm. Les plumes de condor. Cache de survie. Ouais, j'ai bien envie d'aller chercher la cache de survie. Renala, d'accord. Elle a tombé le chevalier draconique. Alors attends, le chevalier draconique lequel? Parce qu'à mon avis, celui que je pense, c'est pas du tout le bon. Parce que celui que je pense, moi, il est à Farum Azula. Donc, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Alors, on va aller, hop. Splendide. Hop. Allez, petit event. Raquel. Qu'est-ce qui se passe? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde. En Kaelid, du coup. Donc là, elle est en train de faire la Kaelid pour aller voir Radan. Me rappelle quelque chose. Le voilà. Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut. Bientôt, nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan, mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici, mais il a grandi auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sahiri,
était son frère. Il n'était pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Saïri est mort, et Amaru s'est dévoué. Regarde, franchement, même les visages, je les trouve même plus beaux que dans presque. Vous avez vu la tempête presque, hein, que Horizon. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Là, tu vois, je vous promets que Paititi, que je trouve carrément plus moche que va celui-là, va bien survivre. Le jeu, c'est. Je le connais bien. Dommage, si Amaru réussit, Vampire Mascarade. Ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce visage. Les visages, ils ont même plus de forme, les rebelles plus de grain de peau. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. La mascarade vampire. Regarde nous devons la trouver avant lui. Même le dernier trailer qu'ils ont peut-être fait. Peut-être qu'Amaru pourra jours, encore trouver l'amour. Mais ça n'importe et quoi. La raison. Ils osent te vendre ça 80 boules. Mort aux envahisseurs. Le châtiment viendra. Akan, assez. Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, je t'interdis en pensez, de mettre hein, en péril notre rébellion. Je trouve qu'il a rien à... Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est bon, ça du coup fois. C'était l'aventure principale, la quête principale. Attends. Je suis pas sûr que ça ait été vraiment une bonne idée de venir là maintenant tout de suite. Suetzli, ta tenue ne trompera pas longtemps ces gardes. Promis, je trouverai la boîte. Tu devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Me dis pas que j'ai fait le con et que je peux pas revenir en arrière ? Ouais, on a un... Le docteur Dominguez est originaire de Paiti. Allez, un camp avec Ushu, tout va bien. Putain, cette blague... Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Ok, donc là en fait je viens de me mettre dans la merde. Je viens de me bloquer l'accès au reste du... Quoique... Ma femme est souffrante. Et c'est pas la seule. Une maladie apportée par les étrangers. Il faudrait faire quelque chose. Ok. Ah, je vais d'abord descendre, je pense. Parce que ça, on crache pas dessus. En plus, on a deux monolithes qu'on peut pas lire ici. Ah bah oui, c'est cool. Représentation de la déesse koalitique. Dont le nom signifie jupe de serpent et repris. Essuie et moi, on jouait tout le temps ensemble avant. Mais je le vois plus beaucoup ces derniers temps. Mais je comprends pourquoi, je crois. Il a beaucoup de choses à faire, des choses importantes pour nous tous. Mais bon, il me manque. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a plein de richesses là-dedans. Ah bah oui, j'ai augmenté les poches, donc ouais, là je peux tout ramasser quoi du coup. Hop là. Allez, remonte un peu, prends un petit peu d'air. Et hop là, une nouvelle stèle. Et un petit point d'XP. Représentation de Virashoka.
Une petite plante. Encore une petite plante. De l'or. Pognon. Pognon, pognon, pognon. On est sur de l'or, pas de la jade. Je sais pas ce qui coûte le plus cher, l'or ou la jade. Je sais pas. C'est une plante, ça? Ah ouais, c'est une plante. Bon. Alors, on va aller voir maintenant le reste. Hein. Putain, mais je sens que je me suis tellement grillé là. Je voulais continuer sur l'autre côté, mais je suis mes cacahuètes. Allez, bon, ça d'accord. Hop. Le bois, on prend aussi. On prend, pour un canon bien sûr qu'on prend, on prend ça. Radio démontée, une radio portable active démontée. Qui es-tu? Que veux-tu? Est-ce que les enfants désobéissent là d'où vous venez? Il y a trop de quêtes secondaires dans ce village. Ils sont en danger? Non, les gardes crient, mais quand ils étaient jeunes, ils lançaient aussi des pierres. Beaucoup trop de quêtes secondaires. Un feu de camp, ça c'est cool. Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, on a un point. Tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. Un point, bah c'est tout, je peux rien faire. Hein. À l'écouter parler, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Je dois l'arrêter. Donc. Ah, sac à dos. Grand sac isotherme, carrément. Augmente la capacité de transport des ressources naturelles fabriquées par l'homme. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte qui nous permet encore d'augmenter nos capacités de lecture. De l'huile. On prend l'huile, on prend. Toi, je suis sûr qu'à force, je viens de te voir à un moment ou à un autre pour que tu sois caché comme ça. Hop, ça, on récupère. Le bois, on récupère. Hop, il y a oublié un truc là au sol. Il y a un truc. Ah, c'est un insecte, ça. Vous êtes ici pour échapper à l'agitation de la ville? J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux chaque jour. Et puis les gens changent. Ils deviennent matérialistes. Ils veulent à manger, des vêtements, des bijoux. Leurs yeux espionnent. Alors, je sais pas si vous entendez les PNJ, ou... Ils jalousent ce qu'ils voient. Les gens sur le stream, parce que alors, moi, j'avoue, je les entends très mal. C'est insupportable. Parfois, je rêve que je m'enfuis discrètement. Je monte dans un de ces bateaux et je remonte la rivière. Ah, les PNJ, ma voix, l'esprit des PNJ. Ce serait une sacrée décision. Je crois que je vais réfléchir encore un peu. Merci de m'avoir écouté. J'ai l'impression de voir un peu la lumière. Hop là. Je vais dire là, on ne peut pas monter. Ils m'ont fait mentir. Des endroits bien cachés comme ça pue l'embrouille. Jeune fille, je peux vous raconter une histoire
Je la tiens directement de ma mère. Avec plaisir. Vous avez remarqué les puits partout dans la ville, pas vrai? Ah, par contre, blague à part... Alors, attends, option, hop. Graphisme... Ah oui, mode résolution, on est d'accord. Langue français, machin et tout, pas de problème. Difficulté, son. Basse, haut-parleur, écran. On va essayer comme ça. Peut-être que je les entendrai mieux. Vous connaissez leur origine? Non, dites-moi. C'est une ancienne reine, une femme d'une grande vanité, qui a ordonné leur construction. Ben, je les entends mieux. En se promenant dans les rues, elle puisse toujours voir son reflet. Un jour, elle s'est agenouillée devant un puits. Et... Du coup, on va baisser un poil la musique. Alors, reprendre... option... Son... Voilà, on va se la faire comme ça. Ça devrait peut-être aller. Ok, ok. Poisson a fait surface. Elle s'est mise en colère. Les vagues avaient gâché son reflet. La reine a tenté d'attraper le poisson, mais elle a glissé et disparu au fond de l'eau. Disparu ? On a découvert les entend carrément mieux. Entre les puits en la cherchant, mais on ne l'a jamais trouvée. Certains disent qu'elle est toujours là, à courir après son poisson. Merci. C'était enrichissant. Alors, une petite carte qui nous permet encore d'améliorer nos compétences. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. De la poudre à canon, normal. Hein. Et là, on a un truc. Hop là. Alors, bon, bah là, clairement, il n'y a pas 50 solutions. Alors, je ne sais pas où ça va nous emmener. Par contre, on a ça. Là, on a de la jade, carrément. Voilà. Là, il nous reste ça. Et je crois qu'on aura fini tout ce qu'il y avait dans l'eau. Passons voir maintenant. Tombeau facultatif. Ben voilà. On voulait un tombeau, tu l'as réclamé, Lyon. Ben voilà, tu vas l'avoir, ton tombeau. Alors, hop. Enfin, si on peut y rentrer, hein. Alors, hop, hop. Mais on a l'air de pouvoir y rentrer. Hop là, maladie est mort, récit d'une épidémie. Nous quittons la ville aux premières lueurs de l'aube, laissant à la hâte derrière nous la terrible épidémie qui s'y propage. Les cadavres et les mourants jonchent les rues et encombrent les ruisseaux. Beaucoup voient dans cette maladie une punition des dieux. Journal d'Adelantado Pérez. J'arrive de suite. Oui, vous. J'arrive, j'arrive, hein. Hop. Voilà, bon. Hop. Allez, on y retourne. Donc on est d'accord, le mec chez lui, il abrite un tombeau en passant par le côté, par la flotte. Normal. Cité cachée. Hop.
Benzaï à Lillé. Et toi, tu sais que tu devrais te rapprocher plus hein, de tous ces gens. Hein. Parce qu'au niveau du design et tout, en gros, tu peux faire des trucs énormes. Hein. Enfin, encore une fois, je dis ça. Je dis rien. Ouais, je pense que c'est par là directement. As-tu failli me casser la gueule et que je me suis rattrapé à la dernière seconde? Oui. Ah bah c'est juste. Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. Ah, mais on défie tout le monde hein, de faire ce que fait Lara, hein, soyons clairs. Hein. C'est un défi. Hein. Donc Benzaï a like, ouais, tu m'étonnes qu'il a like. Oui, d'accord, si je passe à côté. Donc là, je suis parti. Les fameux jumeaux héroïques Maya, Unbat et Unshun, étaient aussi jumeaux. Les cinq jumeaux trichaient systématiquement lorsqu'ils jouaient au football, jusqu'à gâcher les matchs en faisant preuve d'une trop grande agressivité. En représailles, les jumeaux héroïques les attirèrent en haut d'un arbre qui grandissait sans cesse, de sorte qu'Unbat et Unshun s'y trouvèrent coincés. Les jumeaux héroïques parvinrent alors à les convaincre d'utiliser leurs ceintures pour redescendre, mais il s'agissait là d'une nouvelle ruse. Ces ceintures se transformèrent en queue, transformant de fait les deux frères perchés en singes. Alors. Non mais c'est cool qu'il est en like quoi. Ouais, sauf que là je sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille. Les membres du culte étaient là il y a peu de temps. Mais ouais, franchement, oui. Mais en plus, là, franchement, je suis sérieux. C'est ça, tu te débrouilles. Hein, mais les prochains trucs comme ça, tu te renseignes comment ça coûte un petit machin. Hein, un petit storm, sans déconner. Hein. Tu te prépares une masse de dessins et tu y vas. Et t'as pas le choix, de toute façon. Hein. De toute façon, Elise est d'accord avec moi. Donc. Ouais, et là je vais où? Ok.
Je vais voir que je suis revenu me foutre à l'endroit où j'étais bloqué tout à l'heure. Hop là, on n'oublie pas l'or. Non, c'est un autre endroit. On est bien caché dans le fond là. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? De toute façon, c'est assez droit, assez linéaire là. J'ai pas trop le choix de lieux différents. Incroyable. Ça doit être ici qu'ils font leur rituel. Ok. Donc là, il y a des jeux de lumière. Quatre miroirs, avec chacun une marque différente. Ils sont numérotés. Je dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. J'ai aucune chance. Pour l'instant, on est bien. Je dois créer un chemin jusqu'au deuxième miroir. Ça réagit à la lumière. Bon, pourquoi pas? Mais je sens que ça va pas le faire. Je sens que je vais avoir besoin de l'autre miroir. Là. Je vais avancer pour l'instant comme ça, mais je sens que c'est pas good. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Ça, forcément, je ne peux pas le casser. Ok. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Ça donne pas envie de se baigner, là. Là-haut, on peut monter. Hop là! Un insecte. Ouais, on a presque encore un nouveau niveau. Donc, peut-être qu'avec le deuxième niveau, là, si j'arrive à le prendre, je pourrais peut-être aller voir les deux monolithes que j'ai pas réussi à traduire. Oh, bah tiens. On crache pas dessus. Je dois créer un chemin. On va pas cracher dessus. C'est peut-être la sortie. C'est par là qu'on sort du tombeau. Donc là, concrètement, de toute façon, il y a un feu de camp en pierre pour venir en arrière. Yeah.
Ah oui, donc ça, ça a été clairement la sortie, en fait. Ouais, c'est la sortie. Bon. Voilà, Clara est une guerrière. Je peux pas te Donc, laisser. Il faut que je revienne sur mes pas. Alors. Alors, comment on va procéder? Ah, super, le hockey, ah, ça c'est le pied. Donc. Alors. On peut pas jouer avec plusieurs...
Ok. Donc, on va faire une doublette là. Alors, tac. Alors, ensuite. Ok, alors, hop. Ah, je ne peux pas y accéder, d'accord. Ah bah là, si je ne peux pas y accéder, ça va être un peu un problème. Je ne peux pas traverser. Il doit créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Ok, c'est pas par là non plus. Je dois créer un chemin jusqu'au troisième miroir. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Ok. Oui, Mini. Ça veut dire qu'il faut écrire lequel. Ok. Ok. Lui, ça voudrait dire que du coup.
lui, j'ai pas le choix. Celui-ci, lui là-bas, j'ai le choix. Lui là-bas, j'ai le choix. Alors, ok. Ici, ok. Donc, ce qui veut dire que... Non, j'ai pas accès à 50. Ah quoi, que j'ai pas accès à celui-là. Ah mais du coup j'ai plus accès à celui-là. Ah.
quoi en fait? Comment j'ai fait pour revenir? Bah ouais, du coup, lui, j'ai vraiment pas le choix, quoi. Alors que lui, s'il me passe pas par ici... Quoi, ça, j'ai vraiment pas le choix. Donc lui, il est vraiment bien placé, en fait. Ok, il est bien placé en porinifère. Ok. Cool. Alors, c'est objectif celui-là. Maintenant, là-bas, on s'en branle. Tac. Ok, bon, on va faire ça. Ok, on va faire ça. Allez, ça marche. On y va. Je pense qu'on l'a compris. Ok. Donc, celui-là, on va le diriger... Là. J'y pense adorer le faire. Hop. Hop. Alors, hop. Maintenant, nous arrivons celui-ci. Ici. Ah, bon bah je pensais qu'on pouvait s'accrocher dessus. On peut pas. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas.
Alors. Thank you.
Allez. Hop là, toujours pas. Putain que ça me saoule. J'espère que c'est la bonne. Je sais pas que c'est en train de me saouler, mais...
Ok. Ils sont numérotés, c'est le premier miroir. Je peux accéder à l'hôtel. Je peux accéder à l'hôtel. Je peux accéder à l'hôtel. Tu peux accéder à l'hôtel. Et comment tu accèdes à l'hôtel ? Je peux accéder à l'hôtel. 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 Thank you.
crois que c'est la sortie. C'est par là qu'on doit sortir. Bon, bon, bon. Ça décrit quelque chose de proche. Des canaux alimentent en eau les zones arides du village et ils montent tout loin. Arrêter là, je vais y revenir un petit peu plus tard, ça sera peut-être ce qui est plus simple, on va faire ça, on va s'arrêter là et on va enchaîner la prochaine fois peut-être un peu mieux, parce que là on n'a pas eu l'occasion de faire grand chose, donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi et puis ben, je vais merci à vous les gens. À la prochaine.